Hey, 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 Master Bugaricci pour Vaudreuil-Soulanges.tv. Aujourd'hui, à la shop, on a quelque chose de vraiment trippant pour vous. On a une nouvelle petite chronique. On va faire ça avec Vincent C, le magicien. Aujourd'hui, ça va être Abracadabarnak. Ça y est, le moment tant attendu, le grand, l'unique et le holy. Vincent C est avec nous. Salut tout le monde. Hey, Marc, vu que tu m'as invité, je me suis dit que, tu sais, chaque petit gars a rêvé d'être un Jedi dans la vie, je pense, comme oui, dans Star Wars. Tout à fait. Toi, t'es déjà un master. Je me suis dit, ça va être bon, tu vas être un master Jedi. Parfait. Ça, c'est quoi ton nom? Moi, je choisirais Obi-Wan Bugaricci Magie. OK, fais plus ça, OK? Donc, Obi-Wan Bugaricci, j'aime ça. Cool. Parfait, fait que c'est ton nom de Jedi. Cool. Tu t'en rappelles, les Jedi, ils se bandaient les yeux souvent, puis ils étaient capables de savoir il était où les objets. Je me souviens de Luke Skywalker avec son sabre laser, qui arrêtait des lasers, des drones. Tu t'en souviens de ouais, ça? Tout à fait. Parfait. Tu vas péter une ampoule que je vais tenir. C'est une vraie? Oui, c'est une vraie. Avec une carabine. Wow! Carabine! Oui. C'est une vraie? J'aime ça. Alors, l'air, en tout cas. Ouais, parfait. Écoute ça, puis on va faire ça les yeux bandés. Fait que je te dirais que c'est moi qui ai la chienne dans tout ça, OK? C'est la première fois que je fais ça. J'ai c'est moi ça. Qui tire? Juste pour toi, Marc. C'est toi qui vas tirer. Faut que tu sois un Master Jedi, par exemple. Je te fais confiance, puis je devrais pas, mais c'est pas grave, OK? On va essayer, promis. Marc, pogne une balle. Oui. Je crains que ça. Montre la balle à la caméra. This is a real ball. Mets la balle. Je l'insère. C'est bon? C'était parfait. Tu prends ça. C'est bon, Marc? Ampoule que je vais mettre. Faut pas que j'y touche à l'ampoule. Faut pas que je l'aille dans les mains. Faut pas que le monde pense que j'ai quelque chose dans mes mains. Fait que je vais la mettre dans un sac en papier. En plastique. Un Ziploc. C'est un vrai. Un vrai sac. Comme ça, on est sûr, Marc, que je toucherai pas à l'ampoule avec mes mains. Fait que le but, c'est que je vais te bander les yeux. Toi, faut que tu pètes l'ampoule qui est là avec le cadre. C'est bon? OK. Fait que voici le bandeau du duct tape. Marc, enlève tes lunettes. Ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est chien! OK! Ah, la petite sale! OK, Marc? C'est bon? Il sent l'écœurant. Tu vois plus rien? Tu vois plus beau avec tes lunettes. Ah, ouais. All right. Là, on a notre master Obi-Wan Bugaricci. Avec son gun. Fait que écoute, je sais pas si t'es. Fais attention de pas pogner ouais. tout de suite la gâchette. Fais juste savoir où. Je vais te placer, Marc. Ok. Fais juste te mettre à peu près ici. Alright. C'est bon. T'es-tu droitier, gaucher? Droitier. Mais mon père dirait droitier. Droitier, c'est bon. Écoute, Marc. Je sais pas si t'entends ma voix. Très bien. Je vais te demander de viser vers moi. Là, tu veux que tu vois pas. Non, plus à ta droite. Encore à ta droite. Ok. Là, tu vas y aller lentement. Je vais essayer de te guider un peu. Ok. Okay. Mais vas-y déjà par ton feeling de Jedi, à savoir où est-ce que tu penses qu'il est l'ampoule. Okay. Toi, tu dirais là? Là. Là. Écoute, Marc, t'es pas un bon Jedi, mais je vais t'aider. Fais juste te tasser vers ta droite un peu, mais vas-y lentement, comme des micros, de micros, micros, encore. Stop! Baisse. Stop! Écoute, ça me semble bon, Marc. Puis dans le pire des cas, on accroche ta machine à coudes. Mais un petit peu à droite encore. Parfait, génial, OK? Là, manque-moi, c'est ça que je veux dire, OK? 3, 2, 1, tic! Oh, tabarouette! Écoute, Marc, tu l'as eu. Tic! Je m'en viens, dépose la carabine, attends, je vais t'apprendre, tu me vois pas, je sais. Tu peux enlever ton bandeau, j'enlève tes lunettes. Oh, enlève le bandeau. Au. Au. Ah, cool, pas super. Là, il va faire disparaître ses sourcils, mesdames et messieurs. Hey, Marc! Je sais pas si tu regardes, mais regarde, tu l'as eu? Puis je sais pas si tu connais le vieil adage qui dit que quand tu chasses, il y a une loi non écrite, il faut toujours que tu manges ce que tu chasses. Oui. Je la mange? Attends un peu. Tu fais ça, tu fais attention, OK? Tu vas petit bout par petit bout, avec tes dents dans le fond, puis tu manges beaucoup, beaucoup, OK? C'est donc le fun. Goûte le poulet, hein? Ah, la poulette. Le poulet. La poulette. La poulette. Mais la poulette prête. La poulette d'Ontario. C'est pas grave.
Fait que Marc, c'est ça que je voulais te faire aujourd'hui. Je voulais te montrer comment chasser l'ampoule, comment être un Jedi et comment manger de la vitre. C'est raide un peu, hein? C'est raide. Allez, merci. Merci. Ah!